Que la force soit avec toi, salut, c'était dit. J'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver pour démarrer la série Star Wars Jedi Survivor. Cette semaine, en 2 jours, je me suis fait l'épisode Fallen Order. J'ai été assez mitigé au niveau du gameplay, mais c'est vrai que lorsqu'on arrive à la fin du jeu, ça commence à être épique puisque nous commençons à avoir pas mal de pouvoirs et c'est vraiment fun. Et j'espère que, en début de partie dans Survivor, nous allons les garder. Avant de démarrer et retrouver Cal, Kestis et BD1, on va se regarder un petit résumé de l'histoire Jedi Fallen Order puisque le jeu nous le propose. La nouvelle génération de Jedi. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Voyez-vous ça? Un sabre laser? Je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais ou ce que j'étais. Et tu n'es plus seul. Plus maintenant. Salut, BD1. Moi, c'est Cal. Fiche la paix à mon assiette avec tes lasers! Alors il est temps de découvrir qui je suis. C'est passé quelques secousses qui vont te tuer, petit gars! Meryn, c'est ça? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais les survivants doivent s'adapter. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'ordre Jedi. La vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Exécuter l'ordre 66. Maintenant! Non! Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Nous pouvons bâtir autre chose, de bien plus grand. Elle te trahira aussi un jour. Tu ne pourras jamais arrêter l'Empire! C'est cette douleur qui me rend plus forte. Tant de haine. L'échec n'est pas la fin, mon ami. C'est une étape inéluctable et nécessaire. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Jamais je n'oublierai. Je serai digne de vous et de votre sacrifice. Au nom du Conseil Jedi, Cal Kestis. Debout, Chevalier Jedi. N'oublie pas, n'accorde ta confiance qu'à la Force. Alors, où allons-nous? Allez, c'est parti, on va démarrer ensemble une nouvelle partie. On a 5 modes de difficulté. Alors, je vais pas choisir grand maître Jedi ni maître Jedi, puisque il y a certains combats où j'ai galéré dans Fallen Order contre la deuxième sœur. Elle est épique, elle est coriace. Je vais choisir Chevalier Jedi et on verra comment ça se passe. Sinon, je baisserai à Padawan, mais pour l'instant, il est temps de partir dans notre aventure de Survivor. Indice d'interaction de force. Qu'est-ce que c'est? Affiche les touches à l'écran pour indiquer la capacité de force requise pour résoudre les énigmes. Écoute, on va laisser par défaut. On met non et on démarre l'aventure.
Les rumeurs disaient vrai. Un Jedi. Et on le livre vivant. Le sénateur Sejan nous attend. Vous pouvez circuler. Il vaut mieux ne pas le faire attendre. Ouais. T'aurais dû mourir avec tes semblables, traître. Alors, où se passe l'échange? Lesquels? Il vaut mieux être discret avec ce genre d'affaires. Ok. Mais qu'est-ce qui empêchera le sénateur de prendre notre prisonnier et nous envoyer valdinguer dans les airs? Il doit garder sa secret. Exactement. Il veut tuper les inquisiteurs, doubler Vador. Ça gâche un jeu dangereux. Nous aussi. Son visage a été complètement refait, c'est plutôt pas mal, même si je le trouve flou. Je sais pas ce que t'en dis. Je suis pas sourd. En tout cas, la barbe lui va très bien. Comme des rats dans un labyrinthe. J'aime pas ça. Si on suit le plan, tout ira bien. Du moment que j'ai ma paye. C'est déjà difficile de joindre les deux bouts dans cette galaxie. Ce n'est pas ce que dit la propagande. Tais-toi, prisonnier. Voilà les clés de voûte de l'Empire. Mais comment pouvons-nous prospérer que des terroristes nous menacent? J'arrive pas à croire que je vais rencontrer un sénateur. Ces derniers temps, ils se montrent morts. Heureusement qu'il fait une exception pour nous. Eh bien, on a de quoi le faire entrer dans les bonnes places de l'Empereur. Je la vois. Ils l'ont déjà scanné au point de contrôle. Du calme, officier. Le sénateur s'assure juste que tout est réglé. Et c'est reparti. Arrêteront et interceleront quiconque refusera d'obtempérer. Viens par ici, Jedi. Les autres, vous restez ici. Ce n'était pas l'accord convenu. L'accord a changé. Pas question. Soit j'y vais aussi, soit on s'en va. Seulement vous. Les autres attendent. Terroriste. Tu vas le laisser t'appeler comme ça? Ça suffit. Bah, où vous l'avez trouvé? Au marché nocturne. Il essayait d'acheter une caisse de bombes à électroproton à un marchand d'armes chagrin. Comment vous l'avez arrêté? Les Jedi ont besoin de dormir, comme nous. Quand le sénateur s'occupera de toi, tu l'imploreras à la mort. Toujours sympa de rencontrer des fans. Par ici, Jedi. Doucement, la conseil. Occupez-vous de vos affaires. Ce sont mes affaires. Le prisonnier doit être en pleine forme. Le sénateur a demandé qu'on lui amène le prisonnier en vie. Il respire, n'est-ce pas? Il est trop vite. La zone est-elle sécurisée? Oui, sénateur. J'espère bien. Les chiens de Vador ne sont jamais bien loin. Un Jedi est un cadeau rare de nos jours. Que m'avez-vous amené d'autre?
Veillez à ce qu'il soit payé. Ce fut un plaisir, sénateur. J'espère que nous referons bientôt affaire ensemble. Le Jedi Renegat Cal Kestis. Tu t'es forgé une solide réputation. Sabotage de dépôt d'armes. Perturbation des chaînes de production en agitant cette arme à la vue de tous. Le putsch raté sur Norseed. C'était toi aussi, je suppose. Que voulez-vous, sénateur? Des aveux signés? Vous savez déjà que j'ai travaillé avec Saw Gerrera. Avant que je ne te livre à l'Empereur, tu vas me conduire au reste des Jedi. Je peux pas. Il n'y a plus que moi. Inutile de résister. Je finirai par découvrir la vérité. Parfois, il suffit juste d'un discours. Mais là-dedans, j'ai d'autres outils à ma disposition. Ou peut-être me contenterai-je de ceci. Le sabre de ton maître, Jarro Tapal, un traître comme toi. Et dire qu'un jour, nos enfants nous demanderont ce qu'est cette chose. Une relique d'une institution corrompue, anéantie par sa propre arrogance. L'arrogance est un piège auquel beaucoup se font prendre, sénateur. Je suis sûr que l'Empereur ne m'en voudra pas si je te livre à lui en petits morceaux. Quoi ? Vous pensiez vraiment pouvoir m'attraper ? Vous détenez des données militaires sensibles sur votre yacht. Et vous venez de me les livrer. Ah, merci, BD. Tu vas brûler pour ça. Je vais reprendre ça. Alors, on peut récupérer notre sabre laser avec L2. Appuyez sur R2 pour repousser des ennemis seuls et maintenez repousser les groupes. Oh, excellent. Attaquez avec votre sabre laser. Allez, viens me chercher. Allez, venez les gars. Bon, ce qui est plutôt cool, c'est que en fait, on garde en fait nos compétences et ça, c'est plutôt bonnard. Au suivant. Donc l'objectif, hein, c'est de parer au bon moment. C'est tout ce que vous avez dans le ventre, sénateur? Sortez, je veux vous parler. Donc on peut esquiver avec rond comme ça. Faire une roulade normalement aussi. Allez, venez les gars. Oh, suivant. Je suis chaud patate. Je me suis pas encore fait toucher. Je me sens pas très bien. Pas si vite, sénateur. Au revoir, BD. Là, il vient vers nous. Il arrive un peu trop vite. Beaucoup trop vite! Tiens bon! Ça fait rien. C'est des choses qui arrivent.
faut atteindre ce yacht. Alors c'est vrai que c'est un jeu où il y a beaucoup de plateformes. Un petit peu comme Tomb Raider, même si Tomb Raider excelle dans le domaine. J'ai trouvé que dans Fallen Order, il y avait quand même pas mal de bugs. Il y avait pas mal de moments où Cal n'arrivait pas à s'accrocher. Tu vois, comme ça, par exemple. Ok, alors dans Survivor, il faut pas appuyer sur L2, c'était le cas en tout cas pour Fallen Order. Ok, il faut sauter ici. Donc ça c'est plutôt cool de plus à devoir en fait appuyer sur L2 pour s'agripper. On doit filer. Fuyez, bande de rats. Un émetteur patience. Alors, où sont les objets? Donc ici, on a la capacité, les postures. Ok. Personnalisation, veste, barbe. On peut le raser. Bah franchement, il a un peu plus de charisme avec une barbe courte. On va garder la barbe. On peut modifier les cheveux? Non, pour l'instant, je peux pas. On peut changer la couleur du pull, ok. Et la couleur du pantalon. Ah, c'est pas mal rouge. Qu'est-ce que t'en dis? Allez. Alors attends, parce que peut-être qu'il faut appuyer sur X, voilà, pour s'équiper. Pareil pour le pantalon. C'est pas mal comme ça. Donc R2 pour utiliser la force sur les objets en surbrillance, ok. Donc franchement c'est cool d'avoir gardé en fait, post-scanner, d'avoir gardé les compétences qu'on a récupérées dans Fallen Order. Tout ça tip top. Retrouver ce yacht avant l'Empire. Donc, est-ce qu'on a la carte? Ok, c'est exactement la même carte. Donc, nous, l'objectif, en fait, va être d'aller au vaisseau. Et maintenant, on va devoir progresser tranquillement, mais sûrement. Donc, on peut cibler un ennemi, ok. Et est-ce qu'on peut voir, par exemple, les capacités? Ok, capacité de BD1, capsule de Steam, donc ça c'est ce qui va nous permettre en fait de nous soigner la force, ok. Posture simple, double lame, ok, on a les doubles lames, on l'a gardé, et l'exploration. En revanche, on n'a pas les capacités qu'on va pouvoir récupérer avec les points de compétences. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Double saut, ok, on a gardé le double saut, ça c'est bon. J'espère qu'elles en valent la peine. Tu perds jamais espoir, toi, hein, mon pote. Allez, saute. Alors, c'est un jeu où il faut pas mal explorer pour récupérer des coffres, des améliorations. Donc là, il y a une porte, faut qu'on aille ici et... Comment faire pour y aller? Que je dois m'accrocher là? Non. Alors c'est un jeu où je vais pas mal mourir. Ne t'inquiète pas, c'est normal parce qu'en fait il faut trouver la solution. C'est là. Voilà. Reposer ici, mon pote. Ok, on se repose. Donc c'est ici qu'on va pouvoir en fait sauvegarder.
Et c'est ici en fait qu'on va pouvoir également améliorer nos compétences en achetant. Par exemple, tu vois, on va pouvoir acheter une compétence. Donc on a 3 arbres, survie, sabre laser et force. Donc là on a un point de compétence uniquement dans sabre laser, ok. Alors est-ce qu'on peut tout voir? Yes! Donc pour l'instant c'est verrouillé, il faut progresser pour débloquer cette compétence, ok. Force on n'a pas de points, et en survie on n'en a pas. Maintenez triangle pour effectuer une attaque projetée à longue portée. Ok. Voilà, comme ça. Ah, c'est pas du tout le même mouvement que dans Fallen Order, puisque en fait, juste triangle, en fait, ça faisait un coup de haut en bas et ça permettait en fait de casser la garde des soldats, enfin des ennemis. Ensuite, où faut-il aller? Donc là, on peut accéder certainement ici, sinon il y a une porte qui est en face. Juste regarder s'il n'y a pas un truc à déverrouiller par là. Peut-être que BD peut le déverrouiller. Voilà. Tu vois, il peut pirater. Et avec le double saut, est-ce que je peux y aller? Yes. Là, il y a un coffre à récupérer. Moi, j'ai bien fait de venir ici. Interrupteur, ok. Donc maintenant, l'objectif va être de grimper jusqu'en haut. Qu'est-ce qu'on cherche? Le suspect est un homme, vu pour la dernière fois sur le K-27. Je suis là. Bien reçu. Gardez vos positions. Allez, on scanne. Qu'est-ce que t'as vu, BD? Camp de squatter. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer ici? Alors, c'est vrai que je vais pas mal explorer. C'est vrai que d'habitude, j'ai plutôt l'habitude de faire que la quête principale. Mais en fait, ici, dans ce jeu, il y a pas mal d'améliorations à droite à gauche, tu vois, comme ça. Un genre de minerai rare, je suppose. Oui. Éclat de priorité. Donc de priorité. Continue à explorer la galaxie pour découvrir ce trésor et savoir pour qui il a de la valeur. Alors c'est certainement un minerai qu'on va pouvoir vendre. C'est magnifique. Mais c'est vrai que dans le jeu, en fait, il faut vraiment explorer. Puisque il y a des capsules Steam à récupérer, par exemple. Il va y avoir certainement des essences de force et des essences de vitalité à récupérer. Donc. Je vais quand même explorer pas mal, même si je vais peut-être pas tout faire en vidéo. Cours bizarrement, non? Qu'est-ce que t'en dis? Holocarte débloquée. L'holocarte affiche l'emplacement actuel de Cal et l'emplacement de l'objectif principal. La zone qui contient l'objectif principal est également indiquée en doré. Navigation. Les portes jaunes mènent à des zones inexplorées. Ok. Les éléments verts indiquent les chemins disponibles tandis que les éléments rouges sont actuellement verrouillés. Vous pouvez modifier ces couleurs dans les paramètres d'accessibilité. Ok. Légende des objets à collectionner. Ah, c'est plutôt pas mal d'avoir affiché les objets à collectionner sur la carte. La légende triangle affiche des icônes pour les autres points d'intérêt avec des filtres qui peuvent être activés et désactivés. Ok. Les éléments collectionnés carrés indiquent votre progression pour la zone actuelle. Ok.
voilà l'yacht. Il dérive toujours. Donc tu vois, ici on a une porte. BD. On va la voir. Mais de toute façon, c'est le seul chemin possible. Franchement, le double saut, c'est génial. Au début, dans Fallen Order, quand tu l'as pas, c'est galère. Oh, excellent. Alors, tu peux repousser les tirs des fusils. Attends, je vais juste regarder un truc. S'il n'y a pas des choses à récupérer ici. Alors, est-ce que si tu cours, tu... Ouais, ça, c'est génial aussi. Parce qu'en fait, au tout début, dans Fallen Order, quand tu cours, tu les repousses pas. Et franchement, c'est un peu chaud. Alors... La carte. Alors, c'est vrai que je vais consulter assez régulièrement la carte pour savoir où je suis. J'ai l'impression qu'il n'y a rien ici. Fait ici, c'est tout droit. Non, c'est pas ici. Et là, non. Ah, il y a un petit passage ici, je l'avais pas vu. Je les vois. Ok, pour changer de posture. Alors. Quand il y a pas mal d'ennemis comme ça, c'est mieux d'utiliser le double sabre laser. Oula. Triangle pour utiliser l'attaque de force et haut pour se soigner, ok. Alors, est-ce qu'on a des trucs à récupérer? Non, j'ai pas l'impression. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pouvait pas faire. Le voilà, abattez-le. Oula! J'ai sauté un peu trop tôt en fait. Alors pour l'instant tu peux pas lancer ton sabre laser donc faut aller vite. On approche. Tu tiens le coup BD? Vite. Ne regarde pas en bas. Du temps. Ah, oh, tu sais, je me baladais, j'admirais la vue. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Coruscant. Merci, Baud. Je fais que mon boulot, Kestis. Ah, c'est cool, on a copain. Alors, est-ce qu'on a des choses à récupérer? Alors, peut-être que je suis allé un peu vite, j'ai certainement oublié des trucs. Non, j'ai pas l'impression. De toute façon, tu peux revisiter les planètes. Alors j'ai vu le quai s'effondrer, je me suis dit que ce coup serait vite bouclé. Pourquoi leur faciliter la vie? Ah! Où est l'équipage? On va vers le yacht, on les rejoindra là-bas. Oh, et Bravo a dit pas de radio. Pas de radio. Bravo sait ce qu'il fait. Alors ça c'est certainement un raccourci, voilà, raccourci débloqué. Koub et Lys doivent être en train de mourir de faim. Des Klatooiniens affamés. C'est pas une bonne chose. Rappelle-moi de te parler de la mission sur Carida un de ces jours. Retrouvez votre équipage sur le yacht. Je crois que c'est gagné. Pas de canonnière. Ils doivent être en train de semer le chaos. On va pas les faire attendre. Ça n'a pas marché.
Regardez autour de vous et trouvez un objet avec lequel Bod peut interagir, puis appuyez sur R1. Bon, là ça marche pas. Est-ce qu'on peut courir? Non, on peut pas courir. Ah ok, celle-là. Tu penses pouvoir renverser cette caisse? Ça vaut le coup d'essayer. Ah mais il triche, il vole lui. Franchement, je veux le même jetpack. Comment je l'ai eu à l'occasion. Ok, maintenant on peut courir sur les murs. Qui t'a appris à bouger comme ça? Mon maître. Chaque fois que je tombais, il me remettait sur pied. Ça m'a l'air d'être un bon prof. Une patrouille de Stormtrooper. On est recherché. J'ai trouvé quelque chose. J'ai droit à la moitié. Non, non, t'inquiète, je garde tout pour moi. Hey. Alors est-ce que... Ok. Ouais. On peut pas y aller là. C'est un toboggan géant. Ouh. Ah mais lui tu vois il est monté. Moi je peux pas. Ok. Que faut-il faire ici? Ah il faut monter là non? Alors en fait c'est assez étrange parce que la direction est tout droit. Il y a une porte verte ici. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'énigmes à résoudre. Donc parfois je vais passer pas mal de temps à chercher comment faire pour progresser. Ah. Tu vois ce câble? Je m'en charge, qu'est-ce que c'est? Rien ici. Ok. Donc là je peux grimper, mais je vais déjà rentrer dans cette salle. Hein. Ouvrir un coffre. Yes. Matériaux pour BD1. Éviter. Alors on va forcer le passage. C'est quand tu veux, Kestis. Allez, c'est parti! On va s'en faire un direct. Y'a des ennemis pas loin. Hey! Alors je vais me faire la mitraillette déjà dans un peu de temps. Ok. Tiens, prends ça. Pareil. On peut appeler l'ascenseur avec ce terminal. Je m'en charge. Les soldats arrivent. On va les prendre par surprise. Bien sûr, à ton signal. Maintenez R1, puis appuyez sur carré pour demander à Bod d'attaquer un ennemi ciblé. Okay. Maintenant. Oh, il est génial lui. Franchement, c'est trop bien d'avoir un pote. D'accord, tu sais te battre. Oui, toi aussi. Je parle pas le binaire, mais je comprends, BD. On est une équipe. Alors... Le yacht est juste là. Et bien sûr, le pont est en chantier. Essayons ce chemin. Arrête de lire dans mes pensées, Jedi. Bah en fait, c'est Iron Man. Oh génial.
Et voilà, un point de sauvegarde. On va méditer et en fait, on peut se reposer. Comme ça, on récupère en fait nos steam. Posture simple ou double lame, ok. Alors, est-ce que ici il y a un coffre? Il y a un terminal ici. Ok. Quoi d'autre à faire ici? Il n'y a rien du tout. En fait, on fait un sacré détour hein, pour récupérer le vaisseau. Donc là, on doit aller en haut. Cet endroit est une ville fantôme. Coruscant a beaucoup changé ces dernières années. En ce moment, le simple fait de sortir, c'est déjà chercher des ennuis. Alors, je vais visiter cette salle. C'est bizarre d'avoir mis une salle comme ça, s'il n'y a rien. Ma foi. Mais là, est-ce qu'il y a un coffre? Rien du tout. Allez, on y va, c'est parti. En parlant de problème, évitons cette patrouille. Je suis d'accord. On peut les affronter, je suis chaud. Et si on se prenait un petit cocktail? Un petit mojito, non? Qu'est-ce que t'en dis? Alors normalement, on peut les pirater. Mais pour l'instant, je dois pas avoir la compétence de les pirater. Il a explosé! Ok. Ah, je déteste les droïdes sondes. Un ennemi? Oui, d'accord. Je suis avec toi. Continue! Tu passeras jamais cet avant-poste! Affirmez votre domination! Ah, j'ai appuyé sur L1. Malheureux. Beau travail, Cal. C'est loin, hein. Ok, top. C'était évident. Oh, il ralentit le temps. Wouah, trop bien. Non, j'ai déjà tué ceux qui ont un fusil. Ils sont où? Ok, il est mort. Allez. Tiens, prends ça. Finish. Ah, sympa le combo à deux. Jamais dû t'en prendre à nous. Eh ben écoute, franchement, pour l'instant, c'est un régal. Il y a quelque chose à faire là-bas, on va y aller. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, il y a un bloc. Je crois que BD veut que tu la bouges. Alors maintenant, je dois obéir à un droïde.
Top. Et nous, on va mettre le bloc là-bas. L'Empereur a transformé le temple Jedi en palais. Ouais, l'Empire est doué pour ça. Prendre un truc que t'aimes et en faire un truc que tu supportes plus. Allez, on fait double saut, on court. Double saut et on s'agrippe. Yes. Heureusement qu'on a double saut. Sinon, on pourrait pas ça le faire. Ça fait combien de temps que tu bosses avec Saw Gerrera? Pas longtemps. J'ai juste fait quelques missions. On dirait que tu l'as impressionné. Ce qui n'est pas facile. Je suis doué pour ce que je fais, je pose pas de questions qui fâchent. En général, ça m'ouvre pas mal. Alors, est-ce qu'il y a des coffres? Ah, j'ai peut-être oublié un truc en bas, là. Ah non, c'est le bloc. Donc, il y a un truc qui est super bien qu'on pouvait pas faire au début de Fallen Order. C'est récupérer la corde comme ça. Et franchement, c'est fantastique! Peut-être que je me suis pas assez élancé. Voilà, parfait. On devrait pouvoir utiliser cette grue pour traverser le pont. On utilise les outils de l'Empire contre eux. Ok, pas de coffre ici. Ah, j'avais bloqué. Alors les attaques rouges, on peut pas les bloquer, faut faire attention. Désolé, quand on joue avec moi, faut savoir que les dés sont pipés. Alors, quel est le chemin principal? Parce que à mon avis... Si on a débloqué ça, c'est pour une raison, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. On y était là, non? On l'a fait, ça. Ouais, on y était en fait, c'est pour débloquer un raccourci, c'est pour y retourner. Allez, chemin principal, je pense que l'île est là. Alors, est-ce que ça, on peut le déverrouiller? Yes. Oh non! C'est un raccourci, mais est-ce que je peux remonter? Oui, heureusement. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de passages étroits dans Star Wars Fallen Order, et j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour Survivor. K405. Wouh! Ah oui, c'est vrai que les attaques rouges, on peut pas les parer, il faut les esquiver. Ouh là 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 là! Je crois pas qu'il t'aimait beaucoup non plus. Il se regoie. Je vois pas comment monter. On va jeter un œil. Franchement, c'était pas le moment de se recoiffer. On dirait que BD a trouvé quelque chose. Trouvé quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Un câble d'ascension. Les ouvriers s'en servent pour la construction. Tu peux le réparer? Il est un peu abîmé. Plutôt en bon état, ça devrait pas prendre trop de temps.
qu'on dit. T'as combattu l'Empire sur Kashyyyk? Ouais. T'as piraté un marcheur et forcé un camp de prisonniers impérial à toi tout seul. Ça, c'était BD. Rien que vous deux? Et quelques amis. Et toi, le nouveau? T'es là pour les crédits, j'imagine? J'aime les crédits, c'est sûr. Mais... j'ai une fille. Kata. Je la vois pas aussi souvent que je voudrais, mais au moins je peux la nourrir. Ça doit être dur, d'être loin d'elle. Sa mère est... non, elle est partie. L'Empire nous l'a enlevée. Désolé. Ils ont pris beaucoup de gens. Beaucoup trop. Tu sais t'en servir? Je vais m'en sortir. J'étais faire ailleurs sur Braca. T'as pas chômé pour quelqu'un de si jeune. J'essaie seulement de survivre. Comme nous tous. Câble d'ascension, appuyez sur L2 pour vous agripper à certains objets dans l'environnement. Ok. Ouh, ah, cool. Tant mieux, j'ai le pressentiment que t'en auras besoin. Ok, faut bien être proche. On peut se servir de ce terminal pour faire pivoter le panneau. C'était pas si dur. On retourne au pont. J'espère que l'équipage va bien. Si Gabs s'ennuie, elle risque de pirater les radios des Impériaux juste pour s'amuser. Elle est si douée que ça. Elle était douée, bien entraînée. Mais elle s'était mise ses employeurs à dos. Bravo était un pilote de la République. Un ex-militaire. Je comprends mieux. Et est-ce qu'on peut se servir de ce terminal? Non. Comment t'as commencé à bosser avec Kubelis? Une cantina sur Norside. Un chasseur de primes m'avait pris de vitesse. Les jumeaux l'ont jeté dans un puits de mine. Puis c'est des amis. Ok, on peut remonter. Alors là, je suis un peu perdu. Où faut-il aller? Je pense que Bud nous montre le chemin. On récupère nos Steam. Ça y est, ça c'est fait. Maintenant, on va acheter une compétence. Laquelle? On a 3 compétences qui sont prêtes. Et on a un point de compétence disponible. Résilience. Augmente le niveau de santé maximal de K. Allez, on achète cette compétence. Ah, on a un point de compétence, d'accord. Et 3 disponibles, ok. Alors, où est la suite? Super équipe, Kendis. J'espère que je fais ma part. Tu nous as conduits jusqu'au sénateur. J'ai l'impression qu'il veut doubler ma part. C'est bien ça, BD? Je trouve que c'est encore bien plus fun avec le grappin. Il va y avoir bien plus de possibilités. Ça va être hyper fun. Salut, bravo! Aucune mission ne se déroule jamais comme prévu, hein? Ça serait pas marrant sinon. Comment va la nouvelle recrue? Il parle un peu trop, mais il est pas mal en combat. Ah, ça me va. Gabs a piraté le yacht. Le sénateur ne peut pas appeler de renfort, mais il s'est bien barricadé. T'as essayé de toquer? Aucun signe de Cal? Bâtisse! Je venais de parier avec les jumeaux que le sénateur t'avait fait empailler. Eh, je veux ma part. Eh, Cal, si tu meurs, c'est moi qui récupère le mantis. Désolé, Gabs, ça dépend pas de moi. Alors, c'est quoi le plan? Ce yacht est un sénat Ramsidian. Le sénateur y garde des secrets militaires sur son terminal privé. Ça nous donne une chance contre l'Empire. Le problème, c'est que la cabine est protégée par un sas.
Même les jumeaux ne pourraient pas l'ouvrir. Comment on va faire, alors? Vous vous faites descendre le yacht jetpack, puis place à ma magie de pirate. Avec mon charmant assistant. Je vais nous chercher un taxi. J'en reviens tout de suite. Allez, c'est parti. Les jumeaux, aidez Cal à traverser. Lucha, Patissa. Qu'est-ce que je dois faire? Pof. Je suis plus fort que vous, les jumeaux. Merci, les jumeaux. Oh là 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 là. Ces tuyaux, mais... Oui, Gabs m'a donné l'info. D'accord. Alors, est-ce que je dois aller ici? Je pense que oui. Et c'est bon pour le premier tuyau, Gabs. Tu peux dire aux jumeaux de descendre le yacht? Fais toujours attention. Carida, j'ai sauvé l'église. Tu dois raison. Pour info, je l'avais un peu desserré. Bien joué, champion. Allez, monte. On va te faire descendre. J'y suis, Gabs. Les jumeaux, le yacht est à vous. Qu'est-ce que je dois faire ici? Mais en fait, le truc, c'est que je sais pas si je peux sauter. Non, ok. Ah, je dois continuer peut-être. Yes, yeah, c'est ça. À toi de jouer, BD. Et maintenant, cher assistant, il est temps pour nous pirater. Je savais qu'on n'en avait pas terminé. Donnez-nous le code du terminal. Impossible! Ils m'exécuteront! Donne-le, sinon c'est moi qui le fais. Bien. Par quel outil de négociation devrais-je commencer? Vous avez dit de moi que j'étais incisif. Celui-ci est émoussé. Mais ça ira. Je peux peut-être le faire changer d'avis. Appuyez sur R1 pour utiliser une ruse mentale sur les personnages avec un indicateur au-dessus de la tête. Vous allez me donner accès à votre terminal. Je ne peux pas. Déverrouillez-le et nous vous récompenserons. Vous me récompenserez. Je vais déverrouiller le terminal. Si il bouge, allume-le. Avec plaisir. Allez, BD.
Voyons ce qu'on a là. Ils sont partout. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on espérait. Des années de combat. Mais rien de ce qu'on a fait ne les a freinés. À quoi t'attendais-tu? Tu as perdu. La République n'est plus... Elle a été tuée par des politiciens comme vous. Crois-tu vraiment que je voulais qu'Utapao rejoigne l'Empire? Les compromis auxquels j'ai consenti ont garanti l'avenir de mon peuple. J'y suis allé sur Utapao. Là-bas, tout le monde vous méprise. Au moins, ils sont en vie. Pourquoi se battre quand la victoire est impossible? La reddition a un goût amer au début, Cal. Mais il s'adoucit avec le temps. Libère-moi, et je te proposerai un marché. Non, sénateur. Un jour, quand vos enfants verront ça, ils sauront que les Jedi se sont battus pour eux. Quelle terrifiante naïveté. Hé ! Les jumeaux ont les yeux qui scintillent. Finissons-en avant de nous retrouver avec un nouvel incident de Carida sur les bras. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Il vient avec nous. Vous entendez ça ? On prend à emporter. Faites sortir le sénateur. Est-ce qu'on peut rentrer ici? Non. Vous êtes chanceux, sénateur. Vous avez rendez-vous avec Saw Gerrera. Il me tuera. Non, j'en suis pas si sûr. Tout dépend de votre coopération. C'est un talent apprécié par les sénateurs, non? La coopération. Relâche-moi, ou tes amis vont souffrir. On a un plan pour le sénateur? Je dois encore y réfléchir. On pourrait toujours demander à Kubelis de voir si le sénateur s'est volé. On a ce qu'il nous faut? Oui. Je me demande ce que Saw nous a préparé après ça. D'abord, il faut transmettre ses infos. Ces sénateurs ont la belle vie. Ça t'embête si je prends son yacht? Ce truc est trop lent pour toi. Ça sera mon vaisseau des week-ends. Pour me promener avec ma famille. Pff, vous êtes pas drôle. J'ai changé d'avis. On devrait toujours cibler l'Empire. Ouais, on agit pour une bonne cause. Non, ils sont blindés. C'est sûr tout ça. Les autres ont presque l'air fauchés à côté. Je parie que ce sénateur a encore plus de... Pourquoi un tel retard, pendant que vous chassiez des chimères qui étaient... Vous étiez en train de cacher un traître. Kestis! Tu vas ? Reviens ici, Cal !
Alors durant la vidéo, il y avait certains passages qui sautaient, alors je sais pas si t'as remarqué, mais c'était affreux. Ok, je vais y aller. On doit rejoindre le Mantis. Gabs, les jumeaux. On pleurera plus tard, il faut bouger. Ils sont à notre poursuite, mon pote. Il va falloir la jouer fine cette fois. Ouais, ok, comment faire pour grimper? Sauter vers les murs marqués pour effectuer un saut latéral. Alors, est-ce que on est proche du Mantis? J'hésite à m'arrêter ici. Allez, on va s'arrêter ici. Déjà pas mal pour un premier épisode. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça récompense le travail fourni. Et on se dit à bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao.